want you to breathe all this in. And I gotta stay high all the time. And I gotta stay high all the time. And I gotta stay high all the time to keep you off my mind. Hey yo, Peace Maker Sonic, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de la Obscure Clan. Et sans plus attendre, nous allons commencer avec le gameplay qui nous a été offert par le PA Obscure Amnesia qui maintenant réside sans lui qu'il non l'état sur le même Nuketown à l'aide de sa Razorback. Donc félicitez-le en commentaire et allez vous abonner à sa chaîne qui sera donc en description. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite news sur Black Ops 3 et oui encore une news sur BO3, je pense que maintenant vous avez la petite habitude sur la Obscure Clan. Donc oui, il y aurait probablement une nouvelle arme disponible, et non, vous ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un god comme vous avez pu apercevoir dans la vidéo de lundi. D'ailleurs, pour ceux n'ayant pas encore vu, allez la voir si vous voulez vous marrer. Bref, donc cette nouvelle arme serait donc l'AK-47, et pour ceux qui disent que c'est pas vrai, pas possible ou autre, et bien cela a été dévoilé entre guillemets par monsieur David Venderaar. Donc pour ceux qui ne savent pas qui c'est tout simplement le directeur des designers de chez Treyarch, qui l'aurait dévoilé sur Twitter, donc oui, c'est sûr à 90% que cette info est vraie. Si vous voulez mon avis, je trouve que ça ne servirait totalement à rien car la AK-47 est déjà disponible et c'est un peu l'AK-47 un peu plus futuriste de Black Ops 3. Je ne vois pas du tout l'intérêt, en tout cas il me semble qu'il avait aussi sorti sur Advanced Warfare alors qu'il y avait l'AK-12 et c'est pas vraiment logique, mais bon, après tout, pourquoi pas. Je vais répondre assez vite à la question que vous vous posez tous, est-ce que l'arme sera donc disponible dans les largages ou en achat? Eh bien les gars, je ne sais pas, je vous le dis clairement, je ne sais pas du tout, ça n'a pas été encore tout simplement dévoilé. Je pense que ça sera disponible que par largage, c'est sûr à 90%, donc oui, ça me fait chier, mais si vous êtes chanceux habituellement, d'ailleurs en parlant de ça, une vidéo sur le plus gros château du monde en largage de ravitaillement sortira normalement le samedi amateur si tout se passe bien d'ici là, et vous allez voir, c'est assez hallucinant. Bref, on ne va pas changer de sujet, donc oui, les plus chanceux en largage, il n'y a pas de raison que vous ne l'obtenez pas, cette petite AK-47, si elle sort, bien entendu. Voilà les gars, c'est la fin de cette petite vidéo et de ce commentaire, et j'espère qu'ils vous auront plu, précisez-le en tout cas en commentaire, et moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao, bye bye, peace.